Microphone, il marche? Ah, qu'est-ce que vous appelez là? Oui? Peut-être c'est la prise. Non, ça fait. Moi aussi. Da. Ok. Bonjour. Vous êtes bien? Si je peux connecter, c'est chez vous. On ne va pas utiliser pour changer ça. Mais la compte là, ça sera ici. Vous connaissez là.
tu seras là. Non. Tu as fait la même chose, correct? D'accord. Ok, je pense que ça veut dire que... Non, d'accord. Le verbe, ça veut dire. Ok. Some weird excuse. Ça va maintenant. Ok. Everything is okay. Fine. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va? On vous attendait. Asseyez-vous. Donc au milieu. Bonjour. Oui, mais je ne vais pas mettre de l'ordinateur. Oui, je vais rester. Oui, mais exactement. D'accord, ok, très bien. Il y a une présentation, j'avais dit sans présentation, puisque comme je le pose, mais il y a la présentation que oui. Il y a madame aussi qui a la présentation. Ok. Alors, en fait, ça voilà, c'est ça, je ne pas. Bon, du coup, elle est au bas. Pour la personne qui m'a présenté. C'est elle qui va commencer. Ok, très bien, super, et ça va aussi. Eh bien, écoutez, merci. Voilà, je vais ouvrir notamment cette séance. Cette séance qui va mettre en évidence la liaison entre la communauté scientifique et la communauté des décideurs, donc les politiques. C'est vrai qu'on n'attend pas l'IA générative. Donc, sur ce sujet-là, pas forcément. C'est pas notamment le sujet auquel on pense en premier. Quand on parle d'IA générative, on parle d'innovation, on parle comme hier donc, d'enseignement, de recherche, mais pas forcément donc, le lien entre la communauté donc, des décideurs et la communauté scientifique. Donc, l'objet de notre réunion, enfin de notre panel aujourd'hui, est de mettre en évidence comment justement l'IA générative peut avoir un impact, comment l'IA générative peut faciliter la relation entre donc, le secteur des décideurs, le monde politique et le monde scientifique. Et pour ça, donc, eh bien, j'ai 6 invités. Alors, je vais commencer par vous présenter. Donc, Madame Adina Magda Florea, vous êtes docteur en informatique et professeur à l'Université nationale des sciences et technologies de Bucarest. Vous êtes directrice du Centre d'excellence en intelligence artificielle, centre sous le patronage de la Commission nationale de Roumanie pour l'UNESCO, et vous coordonnez le laboratoire d'intelligence artificielle et de systèmes multi-agents. Ensuite, j'accueille Monsieur Jean-Marie Dikanga. Donc, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, professeur titulaire à l'Université Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Vous exercez également les fonctions de secrétaire général académique et directeur dans la même université. Vous faites des recherches sur la thématique de l'éthique de l'IA et vous avez consacré un ouvrage paru en 2020 aux éditions Cambridge International sur ce même sujet. Eric Enumba, donc docteur en informatique
et en ingénierie des réseaux de télécommunications. Vous avez été nommé en 2017 comme directeur national des nouvelles technologies au Congo et aujourd'hui comme conseiller aux télécommunications, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie. Vous êtes coordonnateur général du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, le CARIA, et vous êtes par ailleurs président du réseau de recherche en intelligence artificielle, le REFIA, donc, qui est organisateur de ce colloque avec l'Agence universitaire de la francophonie. Nous avons en ligne M. Janvier Fosting, docteur en physique appliquée, option électronique et en sciences de l'éducation, option ingénierie de la formation. Vous êtes enseignant-chercheur rattaché à l'université de VA et coordonnateur exécutif des programmes FOAD à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et de l'université de Yaoundé au Cameroun. Vos recherches portent sur l'intégration des nouvelles technologies en intelligence artificielle dans l'enseignement de la science pour l'ingénieur. Marlène, donc Pérez-Diaz, je ne suis pas trompé, dirige un groupe de recherche à l'Université centrale Marta Abreu de Las Villas, voilà, à Cuba, qui fabrique des systèmes dotés d'intelligence artificielle pour aider les médecins à détecter les maladies à partir d'images médicales. Bienvenue. Et Luc Missilimpasi, je ne me suis pas trompé, super, très bien, conseiller, chef de département, poste et télécommunications et numériques du Premier ministre, Congo-Brazzaville. Voilà. Vous êtes président du Fonds d'accès du service universel des communications électroniques du Congo, c'est le FASUS, voilà, qui a pour objectif de couvrir le territoire en infrastructure numérique. Et vous êtes promoteur du Salon international de la tech et l'innovation OSIAN. Très bien, parfait. Ben merci d'être venu et de participer notamment à ce table ronde. On va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on a quand même pris un petit peu de retard par rapport donc, au début de l'atelier. Je vais passer la parole à Madame Adina Magda-Florea qui va nous faire donc, une introduction sur le sujet. Donc voilà, on rentre en immersion directement sur le sujet. Et votre intitulé de présentation est « Le pont entre les données et les politiques ». Je vous en prie. Je vous remercie pour l'introduction et pour m'inviter dans ce panel. Je vais faire la présentation à mon bel investissement. Vous pouvez rester assise. Vous pouvez rester assise. Bon, c'est bon. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que notre atelier voilà, est suivi en ligne sur Internet, sur deux canaux, le canal Teams et le canal Facebook. Donc, on pourra notamment évaluer le nombre assez facilement d'internautes qui nous suivent. Sur Facebook, plus compliqué. Mais voilà, il y a une diffusion, effectivement, c'est largement sur Facebook de notre panel. Je vous en prie, allez-y. Tout le monde sait que il y a une quantité impressionnante de données qui est générée chaque jour, soit par la recherche scientifique, soit par les interactions dans les réseaux sociaux et les posts que les gens font dans ce réseau. Toutes ces données ont le pouvoir de guider, d'orienter la décision politique. Cependant, traduire des ensembles de données complexes en politique représente vraiment un défi pour les décideurs politiques. Bien sûr, il y a la méthode traditionnelle qui consiste à analyser beaucoup de données, mais si la quantité est vraiment importante, s'il faut prendre en considération plusieurs aspects de ces données, plusieurs attributs, alors les choses deviennent vraiment très compliquées. C'est dans cet écart entre les données et les décisions que l'intelligence artificielle générative émerge et devient un élément révolutionnaire. Alors, il y a des opportunités et des avantages clés à utiliser l'intelligence générative à l'élaboration des politiques. Premièrement, c'est transformer la communication entre les sciences et la politique. L'intelligence artificielle générative peut améliorer l'efficacité, l'interopérabilité, parce que faisant ces analyses avec beaucoup de données et d'une complexité importante, prend beaucoup de temps et alors ce temps peut être réduit par l'intelligence artificielle générative.
Deuxièmement, les décideurs politiques peuvent prendre des décisions qui sont plus éclairées, plus fondées sur des données, sur des éléments objectifs qui sont assemblés, rassemblés et synthétisés en considérant vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Cela conduit à des politiques plus susceptibles d'atteindre des résultats escomptés. De notre part, l'intelligence artificielle peut faciliter la prise de décision. Les décideurs politiques peuvent communiquer d'une manière plus efficace parce qu'ils peuvent générer des rapports qui sont fondés sur des données et des preuves solides. Aussi, les décideurs politiques peuvent gérer des rapports basés sur une grande quantité de données en regardant l'impact des décisions politiques. En analysant des divers scénarios, comment les choses vont aller si je prends cette décision ou cette autre décision. L'intelligence artificielle peut offrir des outils de suivre en temps réel et aussi des plateformes collaboratives alimentées par l'intelligence artificielle où on peut rassembler ce que les gens pensent sur certains défis, sur certains décisions politiques qui n'ont pas été déjà prises, mais qui sont en train de se formuler à un certain moment donné. Quelques exemples de comment on peut utiliser l'intelligence artificielle et dans quel sujet particulier. Stratégie d'atténuation du changement climatique, cela veut dire modéliser l'impact des différentes stratégies de réduction des émissions de carbone sur les modèles climatiques. Optimisation des campagnes de vaccination, par exemple, modéliser l'efficacité des différentes campagnes de vaccination en fonction d'un certain pays, en fonction de la mobilité de la population. Optimisation du flux du trafic dans une ville, dans une grande ville, ça c'est un problème pour les capitales et pas uniquement pour les capitales, c'est un problème qui est vraiment très, très difficile à résoudre. Et pour pouvoir des scénarios et voir les meilleures des décisions, bien sûr que analyser les données de trafic, aussi bien en temps réel que prédiction, doit être et peut être quelque chose de très important. Conception des villes durables, modéliser l'impact des différentes décisions d'urbanisme sur la consommation d'énergie, la gestion des déchets et aussi l'utilisation des ressources. Et pourquoi pas des prévisions économiques, qui peuvent être meilleurs si on s'appuie sur beaucoup plus de données que jusqu'à présent, parce que, bien sûr, jusqu'à présent, on a fait aussi des prévisions économiques et qui permettront de prédire les tendances économiques futures telles que la croissance d'un certain secteur économique. Par exemple, la prédiction de la croissance de l'intelligence artificielle générative. Pourquoi pas? En même temps, il y a des considérations et des défis qui doivent être pris en compte. La dépendance de ces systèmes sur des données de qualité. En anglais, on dit pour les systèmes garbage in, garbage out. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Cela veut dire que si on donne des données de mauvaise qualité, le résultat ne peut pas être de bonne qualité. Ça, c'était. Alors, c'est très important, si on utilise toutes ces données, quelle est la qualité de ces données? Le biais dans les données, parce que les données peuvent être biaisées et cela peut conduire potentiellement à des politiques discriminatoires, injustes. Alors, garantir la qualité et surtout l'équité des données, c'est important si on utilise ces données pour prendre une décision politique. En même temps, l'intelligence artificielle doit être adoptée d'une manière responsable et efficace. Et pour ça, il faut s'assurer que les modèles d'intelligence artificielle soient transparents et explicables. Cela conduit à améliorer la compréhension des résultats, identifier les biais potentiels et faciliter l'acceptation. Même si l'intelligence artificielle peut offrir des solutions, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un outil
et non de substitut au jugement humain. J'ai écrit ici à débattre, parce que j'ai ici un point de vue, mais je ne vais pas le dire à tout le monde, je vais le dire un peu plus tôt. Moi, je vais le dire un peu plus tôt. Les décideurs politiques doivent maintenir la surveillance et la responsabilité des recommandations générées par l'intelligence artificielle. Avec ce point de vue, tout le monde est d'accord parce que si on prend une décision, n'importe comment on est arrivé à cette décision, il peut assumer la responsabilité de ce qu'on a décidé. Quelques mots sur l'avenir de l'intelligence artificielle générative pour les décideurs politiques. Le domaine de l'intelligence artificielle générative évolue d'une manière extrêmement rapide. Et les chercheurs développent constamment des nouvelles capacités. Quand je dis des chercheurs sont aussi bien les chercheurs des universités, mais aussi les chercheurs qui sont dans les grandes compagnies. L'intelligence artificielle générative ira au-delà des recommandations générales parce qu'on voit la tendance de développer des modèles sur des modèles généraux qui sont capables de fournir des informations plus spécifiques, adaptées aux défis politiques spécifiques et uniques. Bien sûr, comme j'ai mentionné en avant, la transparence et l'explicabilité des systèmes permettront aux décideurs de mieux comprendre comment l'intelligence artificielle est arrivée à ses conclusions. Et la recherche en cours sur le développement éthique de l'intelligence artificielle est cruciale pour garantir une utilisation responsable de l'IA. Ici, je veux dire quelques pensées. Ce sont mes pensées sur l'intelligence artificielle. Je suis chercheur en intelligence artificielle depuis de plus de 25 ans. J'ai passé par ce qu'on appelle l'âge d'or de l'intelligence artificielle. Et maintenant, bien sûr, je suis contente que tout le monde parle de ce sujet, alors qu'il y a 25 ans, on était vraiment très, très peu à parler d'intelligence artificielle. Alors, l'avenir de l'IA générative pour les décideurs politiques. À mesure que les outils d'intelligence artificielle devient plus sophistiqué, le rôle dans l'élaboration des politiques continuera de s'étendre. On a la possibilité de façonner un avenir de la des politiques basées sur les données. Cet avenir promet des politiques plus éclairées, efficaces et équitables qui servent le bien public. Pourtant, l'IA générative n'est pas la seule réponse. Et je pense que il y a des pistes de recherche que nous, les chercheurs de l'université, doivent prendre. Par exemple, développer de nouveaux modèles d'apprentissage automatique multimodal. Les humains, quand ils apprennent en utilisant, bien sûr, la vision, le langage, mais aussi d'autres choses. Comme par exemple, les émotions ou d'autres éléments qui viennent de l'environnement. Je pense que le futur de l'apprentissage automatique sera de prendre en compte beaucoup plus des éléments de l'environnement que ce qu'on est aujourd'hui. Par exemple, intégrer aussi les senseurs ou intégrer les sentiments qui peuvent être sous le dans un texte, mais qui ne sont pas d'une manière explicite exprimée. Une autre idée, développer des modèles d'apprentissage automatique qui peut fonctionner avec peu ou pas de données étiquetées. Elles peuvent utiliser des représentations riches et robustes. Les modèles de l'intelligence artificielle générative s'appuient sur une énorme quantité de données, ce qui est bien puisque on a vu que les résultats sont vraiment spectaculaires. Mais est-ce qu'on doit toujours suivre ce piste, est-ce que ce n'est pas possible de rechercher, d'essayer de trouver des modèles qui s'appuient sur peu de données ou même pas des données étiquetées. Et comme ça, on sera indépendant de ce qu'on appelle aujourd'hui la puissance de données.
Une autre idée, développer des modèles d'apprentissage qui combinent des modèles symboliques avec des parcours d'apprentissage profonds. Moi, qui viens du temps où l'intelligence artificielle se faisait au niveau symbolique, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, mais ce n'est pas parce que moi je suis d'accord, c'est parce que c'est une idée qui est appuyée par beaucoup de chercheurs. Pourquoi? Parce qu'en faire la combinaison entre l'apprentissage profond et des modèles symboliques peut contribuer à la transparence et à l'explicabilité de l'intelligence artificielle et développer des solutions rentables et efficaces pour l'exécution d'inférences dans les grands modèles d'apprentissage profond. Pour le moment, on sait bien que ces modèles sont vraiment des consommateurs énormes d'énergie. Et en même temps, je ne sais pas si on peut dire contribuent, mais ils prennent beaucoup de place dans la pollution mondiale. Alors, pourquoi pas ne pas rechercher des algorithmes qui vont consommer moins d'énergie. Cependant, l'intelligence artificielle générative peut faciliter nos tâches. Et à ce but, j'aimerais vous demander la permission de vous présenter une petite vidéo, c'est 2 minutes et quelques, comme fin de ma présentation. Allez, s'il te plaît, si possible, de... ma présentation que je vous ai présentée avant m'a pris environ 4 heures pour le faire. Ce vidéo m'a pris environ 20 minutes pour le faire. Bien sûr, avec un outil de gération de vidéos en utilisant l'intelligence artificielle. Et en plus, il utilisait
Et en français, c'est beaucoup mieux que la mienne. Bon, et en ce moment, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, si j'ai bien compris, donc cette vidéo était générée à partir notamment de votre présentation, donc du texte de votre présentation. Oui. Et donc, vous avez utilisé notamment un outil qui vous a généré donc, ces images avec donc, le présentateur qu'on entend. Donc, voilà, donc, ça s'est fait de manière automatique. Vous lui avez dit, voilà, je veux une vidéo de 2-3 minutes qui résume votre... Et donc, ça a été le résultat. Donc, c'est quand même assez très puissant pour ceux qui ne connaissent pas non plus le dispositif de l'IA générative. Mais moi, je vais revenir évidemment sur les questions de fond, puisque... l'idée, enfin l'objectif notamment de ce panel, et on l'a vu d'ailleurs dans les panels hier, hein, sur la formation, la recherche, on recherche aujourd'hui dans ce colloque international, c'est de trouver et proposer notamment des solutions concrètes, parce qu'on parle effectivement de l'IA générative qui va aider les politiques à comprendre un peu mieux, notamment les scientifiques, mais comment, voilà, et comment que l'AUF, le REFIA, et notamment les partenaires hein, du REFIA, tous les membres du REFIA, peuvent justement donc, avancer sur ces solutions et faire ensemble sorte que, bien, justement, cette communication soit facilitée par l'IA générative. Alors, je vais vous poser une première question, parce que vous avez dit dans votre présentation que l'IA générative recèle un immense potentiel pour combler le fossé entre les données et le politique. Et effectivement, ça a facilité la communication scientifique et entre les politiques et les scientifiques, mais comment l'IA générative peut-elle rendre les publications scientifiques plus compréhensibles par des non-experts? Est-ce que, comment, voilà, concrètement, comment l'IA, justement, générative, peut faciliter un politique à, comment on peut faciliter la lecture d'un politique, des communications scientifiques, tout simplement, comment une politique s'y prend? En fait, l'intelligence artificielle, notamment le traitement de langage naturel, a la capacité de faire des résumés, de synthétiser un texte. Cela a déjà une tradition, ce n'est pas uniquement avec l'intelligence artificielle générative, mais bien sûr en utilisant les modèles génératifs, les modèles basés sur des transformers. Tout ça a devenu beaucoup plus efficace. Et la capacité de synthèse est devenue beaucoup plus importante. Quand on veut synthétiser un texte, ou disons 100 textes pour les décideurs politiques, il faut bien sûr faire la synthèse, mais aussi il faut savoir, disons, la terminologie qu'on doit utiliser pour faire cette synthèse. Pourquoi? Parce que pour faire une synthèse, il arrive à la compréhension d'un certain public, il faut présenter les choses en utilisant des mots spécifiques, une terminologie qui est adaptée à ce public. Cela veut dire ça, c'est même en ce moment, je pense, une provocation parce que, tant que je sache, on ne peut pas vraiment faire un discours qui est adapté à des divers publics. On ne le peut, mais pas vraiment très bien. Alors ici, je pense que c'est une piste de recherche qui a vraiment un futur. De plus, après avoir fait une synthèse, il faut qu'il y ait quelqu'un pour vérifier si la synthèse est correcte. Parce qu'on a beaucoup parlé hier des hallucinations. Bien sûr, ces hallucinations existent. Et alors, on ne peut pas dire, voilà, on fait avec, je ne sais pas, Gemini ou quelque chose, la synthèse, et puis on la donne directement aux décideurs politiques pour se baser sur cela. Il faut que quelqu'un vérifie ça. En plus, il ne faut pas uniquement faire des synthèses écrites, ça veut dire en langage naturel, mais il faut ajouter aussi des éléments visuels qui peuvent contribuer à accroître la compréhension du sujet. Bien sûr, si on veut voir les résultats de recherche sur un problème très, très pointu, alors ça sera vraiment difficile de communiquer l'idée aux décideurs politiques, parce que ce n'est pas uniquement
suffisant de te dire voilà ce que j'ai fait. Je dis que ça est formidable. Si on ne leur donne pas quelques arguments, mais des arguments qu'ils sont capables de comprendre, bien sûr que simplement dire c'est formidable, ce n'est pas suffisant. On parle d'éléments visuels, donc ça peut être effectivement ce que vous avez présenté tout à l'heure à travers une vidéo qui simplifie, qui résume l'entièreté de votre présentation que vous avez fait sur un texte. Donc effectivement, c'est plus accessible pour les politiques de comprendre justement que les mécanismes scientifiques, les données scientifiques. En plus, si vous me permettez, disons que c'est le ministre. C'est le ministre qui a beaucoup, beaucoup de feuilles sur son bureau. Et on lui donne encore une fois une feuille en disant, voilà, la synthèse de 100 papiers scientifiques. Ah, il est intéressant ou pas. Mais si on lui donne un petit vidéo, ça, c'est quelque chose de différent. Et alors, on capte son attention. Oui, tout à fait. Effectivement, c'était le cas, notamment avec votre vidéo qui a synthétisé. Donc, on ne s'attendait pas au résultat, puisque vous ne nous aviez pas dit au début que cette vidéo synthétisait, avait synthétisé vos propos. Donc, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Vous avez dit aussi que l'IA générative, donc, dans votre présentation, peut être utilisée pour la planification et la prévision de scénarios simulant plusieurs options politiques. Alors là, je m'adresse notamment à Eric, sur la modélisation des politiques publiques via l'IA générative. Quels sont les avantages et les limites des modèles prédictifs générés par l'IA générative, donc dans les contextes de politique publique, et comment affecter ces modèles dans les processus de décision politique? Merci pour la question. Après, c'est de voir. Très bien, on fait l'avoir prise de l'information. Donc, je pense que tout a déjà été dit dans la présentation de tout à l'heure, dans la petite résumé de façon générale. Mais si on va beaucoup plus parler du contexte un peu prédictif dans le cadre des politiques publiques. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle prédictif généré par l'IA a des avantages, comme on l'a dit, et aussi. Des limites dans le contexte des politiques publiques. Et pour les intégrer efficacement dans le processus, il est important de comprendre ces aspects et d'adopter une approche qui est très, très, très équilibrée. Alors, c'est à ce moment que les décideurs politiques peuvent vraiment tirer parti de la puissance, justement, capacité collective de l'IA, tout en naviguant prudemment autour des limites que l'IA génératrice. Présent. Alors, je vais résumer cela en trois points ici. D'abord, il faut comprendre les avantages selon le modèle de détecteur par l'IA, que ce soit déjà un IA compris. Et il faut également comprendre les limites du modèle prédictif IA. Et enfin, l'intégration de ces modèles-là dans le processus de décision politique. Alors, si on a ces temps, pour parler par exemple des avantages. Je pense aussi que l'IA, sans la donner, il peut essayer pour nous de parler, mais l'IA, vous voyez tout de même la présentation qui a été faite tout à l'heure, là, au centre, on a beaucoup plus parlé de la donnée. Et donc, il nous faut la précision, il nous faut une bonne précision et une bonne rapidité de traitement des données. Alors, la capacité à traiter et analyser les comptes, effectivement, fournissent une prédiction précise et plus détaillée sur les données. Il faut également identifier les modèles et les tendances qui ne seraient pas évidentes, par exemple, pour les analystes humains, par exemple, dans le cadre de ce qui s'agira de traiter les données. Et nous avons également parlé, on a parlé des scénarios, les scénarios, il faut des cas de scénarios et des simulations. Donc, la capacité, par exemple, à simuler les différents scénarios politiques et à visualiser leur impact sur avoir la mise en œuvre. Et c'est très important. Et également, évaluer la part des politiques hypothétiques permettant d'anticiper les problèmes et d'ajuster quelques plans. Ça, c'est possible. Il faut également minimiser les erreurs dues à des biais ou à des limitations collectives humaines. Donc, toujours dans ce premier point,
C'est la documentation, la traçabilité qui est aussi très importante, notamment les modèles qui peuvent être documentés et leurs décisions peuvent être passées de façon efficace. Ça remonte notamment la transparence et la responsabilité. Alors, pour parler du deuxième point, les limites justement des modèles productifs générés par l'IAE, c'est la dépendance aux données. Hein? Les données de mauvaise qualité peuvent opérer des prédictions de mauvaise qualité. Les données biaisées également peuvent entraîner des modèles biaisés, en produisant ou amplifiant des inégalités, par exemple, existantes. Donc ça, c'est des questions très vraiment sérieuses. Il y a aussi des questions de complexité et de capacité. Donc, les modèles, par exemple, complexes peuvent être difficiles à comprendre et à interpréter pour les décideurs politiques non spécialistes. Ça, c'est beaucoup. Et certains modèles d'IA, notamment, par exemple, les réseaux de neurones profonds, peuvent être opaques, ce qui montre ici la question de la logique derrière la prédiction. Nous avons également un problème d'adaptabilité. Comment les modèles qui peuvent devenir obsolètes si les conditions socio-économiques ou environnementales changent rapidement. Les modèles, ces modèles peuvent être vite, ne pas s'adapter facilement aux nouvelles informations et au contexte imprévu. Et enfin, l'autre question, c'est l'intégration de ces modèles dans le processus maintenant, dans le troisième point. Comment intégrer ces modèles dans le processus de décision? La première chose qui vient à l'esprit, c'est la formation déjà et la sensibilisation. C'est le travail pour le Centre africain de recherche à l'intelligence artificielle, dont j'ai l'honneur de coordonner, et également en train de le faire. Donc, sensibiliser, former les décideurs politiques, à comprendre et à utiliser les modèles prédictifs, ce qui est très important. Organiser des ateliers pour familiariser les décideurs avec la capacité et les limites de l'IA. On parlerait également de la transparence et de l'explicabilité, c'est-à-dire fournir des explications claires et compréhensibles, des prédictions et des recommandations des modèles. Vous maintenez une documentation détaillée sur les modèles, les données utilisées et les méthodes d'analyse. Il y a également des questions liées à la collaboration entre les former les équipes composées des spécialistes en IA, des décideurs politiques, sociologues, économistes, etc. L'intégration dans le processus de décision, intégrer justement les modèles pour à la prise de décision, tels du bord interactif et les systèmes de recommandation. On peut également utiliser les résultats de ces modèles pour informer et justifier les décisions collectif, en gardant une marge d'expertise humaine, une considération qualitative. Donc voilà quelques mots ici, ce que je veux dire concernant les avantages et les limites des modèles prédictifs générés par l'IA dans le contexte de la prise de décision politique. Merci, merci beaucoup. Alors, je m'adresse à vous. On parle de modélisation de politique publique. Enfin, ça veut dire, est-ce que comment vous avez des exemples à me donner de politique publique qui aurait été très basée sur l'IA générative, qui aurait été proposée notamment ou discutée? Est-ce que comment vous avez des exemples à me donner sur est-ce que vous avez été impliqué notamment? Donc voilà, Eric, en tant que conseiller ministre des Télécommunications, est-ce que moi tu déjà utiliser l'IA pour justement travailler sur la modélisation politique. Bon, nous ne sommes pas encore vraiment arrivés à ce stade-là, parce qu'il faut dire que nous sommes un peu quasiment à l'étape un peu incluée pour le travail, tout ce qui concerne la modélisation, par exemple des techniques de modélisation, des acquisitions par parce qu'il se pose également pour un peu de structuration des données. Voilà, parce que pour arriver là, il faut que les données soient suffisamment structurées et organisées pour éviter que ces données soient bien exploitées. On n'a pas encore vraiment d'expérience concrète pour les données dans la région de politique. Oui, et Dieu.
comme je viens de dire tout à l'heure, la manière dont les données sont, structurées. Que ces données soient structurées, très bien structurées, on arrive quand même à des modèles assez, assez complexes, des modèles qui peuvent être, qui peuvent être entraînés appliqués dans plusieurs secteurs de la politique nationale. Et pour l'instant, on n'est vraiment pas encore, on n'a pas des exemples vraiment précis, mais nous sommes en train de mener des recherches dessus pour garder un peu avec tous les textes que nous avons au niveau national. Comment on peut arriver à mettre en place le modèle pour faciliter justement ce travail après les décisions. Donc nous sommes qu'au début. Au début, on voit bien que l'IA générative a eu notamment une discussion hier, depuis la réaction que j'ai, sur deux ans, c'est venu, mais il y aura à faire par exemple de modéliser que sur des données, je crois. Donc, des politiques publiques, alors je m'adresse là. Donc, les politiques vont utiliser de plus en plus comme l'IA générative, comment est-ce qu'on est décidé en fait d'être un catalyseur justement de la recherche? Merci. Une présentation. Alors, ce qu'il y a à trouver. La recherche peut faciliter l'importance de l'IA générative dans son impact pour régler les problèmes de la société, des citoyens, et en même temps, le monde scientifique doit appuyer les politiques pour mieux comprendre en fait, ces phénomènes et de mieux les expliquer. Et on explique mieux en apportant des faits concrets. J'ai apprécié la dernière question sur la modélisation, parce que souvent, on dit des choses, on dit, mais les politiques, c'est ce qu'ils agressent. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le politique, c'est ce qu'ils agressent plus. C'est écouter les théories et veut du concret. Parce que c'est très court sur un mandat de 5 ans, dans une solution. Parfois, déjà, ce sont des solutions qui viennent à un problème d'un. Allô? Amen. Pourtant, je suis prêt, effectivement, à vous mettre la question. C'est un intérêt possible. C'est qu'on arrive à poser des solutions, mais là, je rejoins un peu ce que disait Eric avec des données structurées, ce que nous n'avons pas. Et ce n'est pas aussi aujourd'hui le problème de seulement de la donnée, c'est même le problème de la structuration des États, de la politique en elle-même. On va s'appuyer sur les résultats de l'IA générative. Déjà, on a des problèmes basiques. Et moi, j'aime le dire maintenant, puisque si vous n'avez pas d'électricité pour alimenter une administration, vous n'en aurez pas pour alimenter un data center et des calculateurs. Les problèmes sont parfois, il faut trouver le juste milieu et les laboratoires doivent essayer d'apporter des solutions sur l'ensemble de ces problématiques. Hier, nous avons beaucoup parlé de la, c'est très intéressant, de la relation entre les communautés et les réponses directes aux citoyens, et qui ces citoyens qui sont très très majoritaires en termes de en matière de préoccupation des administrations publiques, on va dire que le citoyen qui n'est pas pris en compte dans tout notre dispositif d'évaluation de bien de notation de nos économies, de notre vie sociétale et compagnie, ben comment aujourd'hui il y a grâce à des méthode de collecte d'informations peut aider les pouvoirs publics à cibler, à apporter des solutions posées par ces populations. Donc, on est catalyseur quand on arrive à apporter aux décideurs politiques des faits réels, concrets, du concret. Et les laboratoires de recherche doivent aujourd'hui jouer ce rôle-là. Et vice-versa, il faut que les décideurs aient des moyens extra-travers des montages financiers. Très souvent, on fait des montages financiers. Ça, c'est. Moi, je peux me permettre, je peux dire. Mais souvent, on les voit, les qui arrivent dans les États, dans l'administration, en conférence budgétaire, c'est toujours pareil. Fonctionnement, qu'est-ce qu'on investit? Des chaises. Qu'est-ce qu'on investit? Des bâtiments. Qu'est-ce qu'on investit? À l'université, je parle là. Il faut qu'on arrive aussi, l'université arrive aussi à bien exprimer le besoin
de la recherche dans l'IA générative. Il faut qu'on arrive à dire, c'est pas simplement un budget qu'il nous faut, mais pourquoi il faut ce budget et qu'est-ce que ça va nécessiter. Donc, il faut que là aussi, les politiques publiques appuient ces besoins, essaient d'apporter des réponses complètes aussi, financières, par la création des budgets, par des périodes expérimentales à la communauté scientifique qui exprime très bien le besoin. Voilà, je suis pas scientifique, mais un politicien ne prédit pas l'avenir. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner les élections. Et pour gagner les élections, on lui dit, ben voilà, tu gagneras les élections si tu réussis à rejeter un terrain, mais si tu réussis à régler le problème de l'employabilité des jeunes. Et souvent, on entend des théories. Moi, je me permets de le dire parce que je l'ai dit et puis je me suis trompé. On aime dire l'IA va générer des emplois, mais c'est du pipeau, quoi. C'est pas vrai. L'IA ne va pas générer des emplois. L'IA va permettre d'améliorer la gouvernance. Il faut le dire, mais comment? La modélisation est peut-être une réponse. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les politiques publiques? Il faut structurer les données. Qu'est-ce qu'il faut pour structurer les données? Il faut déjà peut-être former, mais il faut déjà aussi présenter à l'administration la structuration de cette collecte de données. Par où on va commencer? C'est pas avec 2-3 ordinateurs. Ce n'est pas avec des universités où il n'y a pas de chercheurs, ce n'est pas avec des établissements qui n'ont pas de salle de cours électrifiée. Donc voilà, c'est les vrais problèmes qu'il faut mettre sur la table. Et après, petit à petit, on monte et on prend le temps qu'il faut pour pouvoir mettre à disposition aux décideurs politiques des éléments pour faire des choix appropriés. Merci beaucoup. Alors, du coup, je rebondis parce que vous avez évoqué un élément important qui est la formation et la sensibilisation. Vous avez dit donc former à structurer les données. Et là, je vais m'adresser notamment à Jean-Marie Tanga. Quel type de contenu éducatif peuvent être générés par l'IA pour les décideurs politiques? On parle de structuration de la donnée, d'usage de l'IA générative, mais voilà, qu'est-ce que peut proposer aujourd'hui l'enseignement, l'éducation, la recherche notamment, pour justement peut-être former pas les décideurs politiques, puisque eux, évidemment, vont analyser les résultats, mais peut-être les équipes. Donc, quel est le type de contenu aujourd'hui que peuvent proposer les universités? Et merci beaucoup. La question est la même. Il faut la situer dans une architecture générale. Aujourd'hui, le système éducatif doit être repensé. Il a été bouleversé. Bouleversé dans ses méthodes, bouleversé dans ses approches, en termes de mémorisation, en termes d'expérimentation, en termes de transmission. On a enseigné autrement. Mais aussi en termes d'évaluation. Et donc, je suis d'avis qu'avant de générer des contenus, il faudra adapter à la nouvelle configuration des systèmes éducatifs par rapport à l'intrusion de l'IA. Il y a une sensibilisation d'abord qu'il faut faire au niveau des parties prenantes et des principaux acteurs. Parmi ces acteurs, vous avez l'enseignant, le professeur, qui se retrouve devant une espèce de bouleversement paradigmatique. Il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il se reconfigure, pour utiliser le terme des informaticiens. Et donc, il faut qu'il sache que désormais, il y a un support, une aide à sa carrière qui est l'IA qui peut lui permettre de réduire son temps de travail, de faciliter énormément des choses, notamment par rapport à la manière de concevoir les enseignements, les travaux pratiques, par rapport à l'évaluation. Une évaluation qu'il faut situer dans une perspective
dimension éthique, parce que l'enseignant va rencontrer des difficultés en termes d'évaluation par rapport notamment à ce que nous avons évoqué hier, qui vient d'être évoqué par le professeur, ces hallucinations qui sont en fait plus ou moins régulières. De l'IAG et qui porte atteinte à l'intégrité académique finale. Il faut donc que les professeurs soient plus ou moins sensibilisés à ça. Mais il y a aussi l'étudiant. L'étudiant est un acteur important à cette architecture parce que c'est à lui. On va communiquer le savoir, mais ce savoir sera communiqué de quelle manière désormais? L'enseignement ne sera plus classé. Parce qu'il y a une ouverture et un accès facile à plusieurs sources de savoir. Et l'IAG, justement, amène une solution par rapport à ça, c'est le fait que elle peut mettre à la disposition de l'étudiant des contenus qui amènent l'étudiant à pouvoir consolider davantage son potentiel, son cursus. Évidemment, l'IAG ne remplace pas l'enseignant. L'enseignant est là parce que la dimension humaine, ne fût-ce que pour former les étudiants à la pensée critique, cette dimension humaine, elle est permanente. En tout cas, jusqu'à ce jour, elle le sera. Peut-être que demain, l'IAG pourra nous proposer autre chose. Mais pour l'instant, le professeur est important dans l'encadrement pédagogique de l'étudiant. Mais il y a également par exemple, acteur, c'est le décideur. Décideur parce que quand vous avez un bouleversement comme celui qu'a amené l'IAG dans le système éducatif, il y a énormément de choses qu'il faut refaire. Et il y a aussi un problème de légitimité sociale. Vous allez légitimer tout cela comment? Le décideur intervient. Mais pour que le décideur intervienne, il faut qu'il comprenne de quoi il s'agit. Pour l'amener des contenus appropriés à pouvoir sont rentrés dans les méandres viagers, utiliser les tenants, les aboutissants, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut par rapport à cet environnement créé par l'IAG pour pouvoir aider forcément ne pas être ne pas rester au bord du chemin, la marche. L'IAG, c'est une partie technologique extrêmement importante. Et aujourd'hui, il est difficile de ne plus le considérer dans le processus éducatif. Et donc, il faut faire par rapport peut-être à des réalités de chaque environnement. Et pour que le décideur puisse prendre les actes qui organisent, qui régulent, qui donnent de la consistance et qui valident cette évolution, il faut peut-être qu'il y ait des experts, en IAG notamment, qui soient des coachs, ces décideurs, pour leur permettre de décider en âme et conscience, leur disent comment cet IAG, justement, qu'il faut réguler, va les aider à pouvoir prendre la décision qu'il faut, à pouvoir poser les bonnes questions et à pouvoir organiser de manière cohérente et pertinente le système éducatif. Donc, ça, c'est au niveau de la mobilisation, de la sensibilisation. Mais à côté de ça, nous avons des contenus qu'il faut mettre sur
le marché éducatif. Ce contenu, nous avons dit hier, c'était pendant le débat, je crois qu'il faut qu'ils obéissent à des objectifs pédagogiques précis. Chaque système éducatif a ses objectifs. Côté de ça, il y a le fait que les données qui sont mises à contribution, hein, sur lesquelles les algorithmes sont entraînés, que ces données soient des données de qualité pour permettre à ce que les contenus générés soient des contenus qui vont être profitables aux apprenants, aussi aux enseignants. Parce que l'enseignant encadre en sachant comment les contenus qui sont mis à la disposition des apprenants sont structurés. La problématique de la donnée est une problématique assez complexe parce que pour l'instant, c'est un club des privilégiés, en fait, je dirais ça comme ça, qui gère les données étiquetées. Et donc, c'est des gens qui choisissent de régenter, excusez-moi l'expression, l'avenir d'un système éducatif. Donc, il faut qu'on essaie de voir cela est faisable, comment les avec les décideurs peuvent s'organiser pour que les données qui sont les données qui pourraient provenir des environnements appropriés, contextualisés au niveau des pays, puissent être mises à contribution dans ces entraînements des acteurs. Il est vrai que c'est des entraînements qui coûtent excessivement cher. Donc, les industriels ne vont pas céder facilement. Mais l'éducation, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. C'est l'avenir d'un pays, c'est l'avenir d'une nation. Et donc, il faut que ceux qui gèrent ce destin-là, notamment les décideurs, puissent avoir un regard suffisamment attentif sur ce qui se passe au niveau de la collecte des données, parce que c'est un complexe également, un processus complexe au niveau du contenu humain. Pour qu'il soit généré, il faut qu'il y ait la donnée, qu'elle ait été traitée, qu'elle ait été diffusée, mais qu'elle ait été aussi évaluée. Est-ce que ce sont des données suffisamment pertinentes qui vont nous produire, qui vont nous générer des contenus qui permettent à ce que l'univers éducatif soit suffisamment alimenté. Donc, on va d'interrogation en interrogation parce que nous appartenons à une sphère qui est encore embryonnaire, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le domaine de l'IAG. D'abord, parce que nos pays ne sont pas suffisamment numérisés. Numérisation, même une des conditions pour pouvoir gérer la donnée. Et en politique, nos acteurs politiques n'ont pas une grande notion de ce que signifie l'IA. Si vous les amenez à l'IAG, ça explique encore la compréhension de manière un peu plus profonde. L'intelligence artificielle, dans la plupart de nos pays, je parle de l'Afrique, c'est considéré comme des applications de jeu où les gens peuvent générer des loisirs. L'IAG, c'est une aide et à la recherche scientifique et à l'enseignement, ce qui concerne. Et donc, c'est un instrument, je dirais, respectable et à qui il faut faire jouer le rôle qu'il doit jouer pour nous permettre d'aller de l'avant, d'avancer.
Donc là, ce problème qui se pose pourrait se résoudre au fil des ans parce que nous évoluons. Il faudrait que cette technologie soit suffisamment diffusée dans le pays, mais aussi qu'on puisse se l'approprier car elle constitue aujourd'hui l'épicentre de tout le système éducatif, non seulement dans le pays africain, mais à travers le monde. Madame la professeure est dans le domaine de la recherche sur ça depuis 25 ans. Et c'est seulement depuis 2017 que les gens artificiels est vulgarisé et les mis à la disposition du grand public. Et donc, tout le pays l'ont découvert en ce moment-là. Donc je suis parmi ceux qui l'ont découvert en ce moment-là. Et je me suis tout de suite intéressé pour essayer de voir qu'est-ce que je peux en tirer. Mais c'est pas comme tout le monde. Et donc, il y a un gros effort que nous devons faire pour que nous puissions formaliser cette architecture, puisse lui donner les mesures qu'il faut et que l'IAG puisse nous permettre de générer des contenus qui passent pas aux inquiétudes des étudiants, mais aussi au travail des politiques. Ils doivent élaborer des politiques publiques, justement pour pouvoir encadrer le travail des contenus générés. Voilà. Les politiques publiques, ça peut être dans le domaine de la régulation, dans la protection des données, dans la confidentialité des données. Et donc, il y a énormément de choses que le politique peut faire, mais il faut le coacher, il faut l'entraîner, il faut lui dire ce que l'IAG peut apporter comme avantage au management politique, au leadership politique. Donc, je crois que je peux peut-être m'arrêter là pour l'instant. Oui, mais vous avez répondu effectivement donc, à la question, mais à la deuxième question que j'avais posée, notamment sur l'efficacité justement de ces programmes de formation. Donc, on comprend bien à travers vos propos qu'effectivement, donc, c'est tout un écosystème, hein, au niveau notamment des contenus pédagogiques qu'il faut mettre en place. Donc, on parle bien d'une approche collaborative et vous l'avez dit notamment dans votre présentation, puisque je cite, hein, donc, l'avenir ne réside pas dans le remplacement des décideurs par l'IA, mais d'une approche collaborative. Donc, on voit bien que notamment donc, l'usage de l'IA, l'appropriation de l'IA se fait donc, sur une approche collaborative. Et je vais d'ailleurs passer la parole à M. Faustin, qui est en ligne, qui va nous parler justement donc, d'une politique et initiative des chercheurs pour une préparation des écosystèmes nationaux de recherche à l'IA. M. Faustin, est-ce que vous êtes là encore? Est-ce que vous nous entendez? Allô? On ne vous entend pas. Votre micro est peut-être coupé. Alors, bonjour encore une fois. Tout le monde, je partage mon écran. Oui. Je ne sais pas si vous avez mon écran, ma présentation. Non, pour l'instant, donc on ne voit rien à l'écran. Donc, est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Alors, sur la présentation, est-ce que vous pouvez notamment nous présenter à l'oral? Jean-François, vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Est-ce que vous me recevez? Vous m'écoutez? Allô? Oui, alors, on vous entend. Alors, Jean-François, vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Vous m'écoutez là? Non, je n'entends pas ça. Oui, on vous entend. Ok, parfait. Parfait, merci. Donc, merci de la parole donnée. Ma prise de parole va être axé sur les politiques
et initiatives des chercheurs pour une préparation des écosystèmes nationaux de recherche en IA générative. Alors, il revient aujourd'hui que l'écosystème dans lequel est noyé l'IA, l'IA est conçu pour un usage public, comme il vient d'être dit, l'IA a été démocratisée, mise à disposition du public en 2016. Alors, l'ensemble de l'écosystème est confronté à un ensemble de défis. Donc, le déploiement responsable et éthique de l'IA, qui doivent forcément être impulsés par les politiques, les investissements ciblés dans le développement des entreprises propulsées par l'IA, à la fois ici propulsés par les chercheurs et les politiques d'autre part. L'acquisition des talents et la maîtrise de l'IA. Alors, pour cette collaboration, un ensemble de stratégies doivent être mises en place pour déjà, cette science aujourd'hui qui se veut une science des données, de l'apprentissage, machine et voire de la robotique, et qui s'inscrivent toutes ces entités dans ce qu'on a appelé aujourd'hui la quatrième révolution industrielle. L'ensemble de ces stratégies, à ma conception, dans une stratégie de collaboration réussie entre les politiques et les chercheurs, on peut ici inventorier 8 stratégies à mettre en œuvre. Parmi ces stratégies, on doit pouvoir renforcer les capacités de l'IAG à l'échelle nationale. Former et attirer les meilleurs talents. Les centres de recherche ont besoin des ingénieurs talentueux formés dans des instituts. Pour ce faire, on doit pouvoir investir dans les projets d'IA évolutifs, profiter des centres de recherche et des instituts d'IA de chaque pays, trouver des mécanismes pour conserver les talents qui sont formés à l'échelle du pays, établir et maintenir une force présente sur la scène mondiale. Ça, c'est la vision à grande échelle pour chaque pays devant s'inscrire dans la dynamique de la mise en œuvre de l'IA générative. Repérer des cas d'utilisation qui en soi rehaussent la valeur, et ceci à partir par exemple des PME, tout en poursuivant nos vastes collaborations entre les écosystèmes nationaux, comme par exemple ce colloque que nous organisons ici.
En termes de collaboration, nous pensons à une collaboration gagnant-gagnant entre les chercheurs et les décideurs politiques. Ceci passe par un renforcement et un encouragement des stratégies conjointes dans la collaboration entre les différents niveaux d'écosystèmes nationaux qui abritent ici les chercheurs et nos décideurs politiques. Alors, les chercheurs doivent à ce niveau inciter les décideurs politiques à injecter plus de fonds dans le développement des infrastructures numériques de pointe sans lesquelles l'IA générative ne pourrait prospérer. Il faut de la vision politique. Il faut qu'on légifère sur les usages de ces infrastructures numériques de pointe. On doit pouvoir stimuler des partenariats décideurs-chercheurs dans l'ultime but d'accroître l'impact de la recherche en IA. Et dans ce sens, concrètement, les décideurs se doivent de soutenir la recherche en IA par le biais des financements des projets que rédigent les chercheurs. On doit également développer la formation. Si nous n'avons pas des instituts, des universités qui forment des ingénieurs talentueux pouvant contribuer à la formation des générations actuelles et à venir et à tous les profils, je pense que nous sommes inscrits dans une démarche qui ne devrait pas nous profiter. Nous avons en thème, s'il y a collaboration, il doit donc avoir un pilotage. Et le pilotage, à notre sens, doit résider dans une symbiose d'interaction permanente entre chercheurs et décideurs politiques pour l'accessibilité à toutes les solutions d'IA générative. Voyez-vous, les solutions d'IA générative que nous avons sur le marché aujourd'hui sont certaines commerciales, d'autres open source. Or, vous comprenez qu'avec moi, les solutions commerciales ont aujourd'hui des valeurs ajoutées, certaines valeurs ajoutées qu'on ne retrouverait pas forcément dans les solutions open source. Les politiques doivent se moudre dans cet écosystème pour pouvoir mettre sur pied de l'équité dans les usages. Nous avons des applications spécialisées qui vont dans la reconnaissance automatique, la cybersécurité et autres, dans lesquelles les usages ne sauraient se faire sans l'abandonnement des décideurs politiques. Ceci dit, à l'échelle nationale, on doit pouvoir mettre sur pied dans des entités dédiées chargées à l'étude et à l'implication de ces applications d'IA générative. Je vous laisse une petite minute pour encore. Une interaction réussie entre les chercheurs et les politiques, d'une part, concourrait à une rentabilité à l'échelle nationale. La rentabilité, on sait aujourd'hui ce que l'économie du numérique, l'économie des IA générative est pour
l'ensemble ou bien pour des pays aujourd'hui qui ont pris un bon comme les États-Unis, la Chine, voire le Canada. Et parce qu'il y a une masse de données critiques où ni le décideur, ni le chercheur ne saurait se permettre de procéder à une analyse fiable, nous croyons que une mise en place de ces synergies contribuerait à l'amélioration de l'analyse des données et par conséquent à impacter sur ce qu'on va dire contribuer à la mise en œuvre des outils d'aide à la décision. S'il y a donc des outils d'aide à la décision, cela concourt à une cohérence au niveau de la gouvernance, au niveau des équipes de recherche, au niveau des instituts, et qui ne peut, dans le cas d'espèce, que propulser des gains des usages de l'IA générative à l'échelle nationale, voire internationale. Les coûts sont exorbitants. Et effectivement, comme on a dit hier, le rôle des décideurs politiques, des organismes internationaux comme les Nations Unies et autres, doivent par une synergie conjointe démocratiser les coûts pour rendre la solution, les solutions d'IA générative accessibles et à moins de coûts pour pouvoir mettre à disposition d'une plus grande communauté des utilisateurs. Je suis arrivé à terme de ma présentation. Je vous retourne la parole pour des échanges qui pourraient avoir dans ce que j'ai proposé ici comme exposé. Merci. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Effectivement, je vous avais demandé de terminer un petit peu avant. Ce n'est pas grave puisque ça me permet de rebondir. Et puis, par rapport à ce que vous venez de dire, on voit bien que comment il y a besoin d'investir. Alors, François, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour. Ah, ben non, ça, c'est certain, parce que nous, vous ne nous entendez pas. Donc, ce n'est pas très grave, on continue. Donc, on parle bien d'investir. Je n'ai pas de retour. Est-ce que tu peux couper le choix, parce que sinon, voilà. On parle bien d'investissement de la recherche et donc dans cet aspect collaboratif, je vais m'adresser à vous, Luc. C'est comment monter les financements pour une recherche efficiente, en particulier dans le domaine de l'IA. Je n'ai pas de retour. Vient de dire, Monsieur Fustin, il vient de parler d'écosystèmes, d'investissement dans les infrastructures, de formation donc des ingénieurs. Évidemment, ça demande des moyens, mais comment justement donc les pays peuvent justement investir et créer justement ces financements. Je ne vous ai pas abordé un peu la question hier. Malheureusement pas. Cette question de financement, qu'on soit dans les pays du Nord, dans les pays du Sud, ça varie. Dans les pays du Nord, on disait qu'il y avait des financements par les industriels, notamment ceux de l'automobile qui sont déjà depuis des années dans un mode de R&D où ils développent des solutions. Il y a des montages financiers qui se posent maintenant par le biais des clusters, des entreprises qui viennent appuyer le monde universitaire à travers des projets dans les instituts. Et souvent, ça permet de financer. Est-ce que la technique peut voir le problème? Ce qui, par micro, je n'ai pas de retour. C'est difficile à mettre en place. Et on pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une politique attractive très forte, en fait, à l'endroit des entreprises pour pouvoir commencer à venir financer le monde de la recherche et ne pas se limiter à des dons, des prêts. Ce mécanisme, ça ne marche pas. Après 20 ans qu'on le pratique, l'éducation à l'université, le monde du financement supérieur n'a pas changé. Le professeur disait tout à l'heure qu'il faut reconstruire le monde universitaire. Il faut aujourd'hui, grâce à des industriels très forts, commencer à financer parce que c'est eux qui ont les moyens. Je prends l'exemple chez nous, les pétroliers. Aujourd'hui, les pétroliers sont dans une démarche un peu de montrer de l'influence, qu'on est propre, on est dans le développement durable. Et donc, ils financent pas mal de produits, de projets comme ça. Mais il faut qu'il y ait aussi
au niveau de la communauté scientifique, des gens prêts à pouvoir mener ces recherches, encadrer un peu, apporter ces solutions qui sont attendues par ces industries-là. Estelle, est-ce que vous me recevez là? Je n'ai pas par les aides au développement. Ou bien, Jonathan, vous pouvez me confirmer si vous me recevez là? C'est par la capacité du monde scientifique à apporter des solutions innovantes à des industries existantes. Et ces industries, quand on prend pays par pays, il y a des pays où l'agriculture est très forte, il y a des industries dans l'agriculture, il y a le monde pétrolier, il y a aujourd'hui dans l'énergie, on a besoin de solutions pour pouvoir avoir une couverture assez large pour les pays. Est-ce que Jonathan, là-bas, là aussi, c'est là pour confirmer si vous m'écoutez là, je n'ai pas de retour. Génère beaucoup d'argent. Après, il faut aussi maintenant s'adapter aux réalités qui sont les nôtres. Souvent, on remet dans les budgets de l'État des lignes de recherche. On sait que souvent, on n'est pas très doué pour dépenser ces fonds. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. Donc, on sait d'avance qui ne va pas forcément arriver. Il faut changer le mental du monde de la recherche universitaire pour se dire, si là, on ne peut pas, allons avec des propositions concrètes auprès de ceux qui peuvent financer. Et je pense que c'est des nouveaux mécanismes de financement qui font aussi l'objet eux-mêmes de réflexion, de recherche, parce qu'effectivement, on parle de quelque chose qui va nous surprendre. On veut financer quelque chose dont on ne sait pas où ça va nous emmener. Et donc, c'est très difficile. Et je pense personnellement qu'il faut s'appuyer sur les industries existantes. Et les industries existantes, quand on prend pays par pays, on peut vite les identifier. Alors, il faut aussi... Je rejoins un alors peu. Alors là-bas, Jonathan, pouvez confirmer si vous m'écoutez là, je n'ai pas de soutien à ça. Il faut financer la refonte, c'est le bon terme, la restructuration du monde. Il faut que l'université, qui est aujourd'hui bouleversée, comme on vient de l'entendre, totalement bouleversée, ait un moyen de se dire, mais finalement, avec toutes ces technologies, on a parlé de la transformation numérique, on parle aujourd'hui de l'IA générative, on parle aujourd'hui de technologies qui progressent. Comment on se positionne? Comment le monde universitaire se positionne? Et pour terminer, j'aime critiquer les universitaires qui sont dans le secteur du droit, de l'économie, parce qu'en fait, ils ont fait les politiques. Non, c'est pas grave, je prends le risque. Ils ont fait les politiques. Vous allez dans le cabinet ministériel chez nous, c'est tous des universités, parce qu'ils savaient parler, parce qu'ils savaient, mais en fait, ils n'ont pas la connaissance du monde industriel. Et du coup, on avait des beaux cadres, bien habillés, bien parleurs, beaux textes, beaux discours, mais qui ne reflétaient pas la réalité. Parce que je pense qu'à un moment, ils ont quitté le monde de la recherche, le monde universitaire, pour se focaliser sur le monde politique. Et en fait, au lieu de ramener les réalités politiques dans le milieu universitaire, ils les ont abandonnées. Et je pense que s'ils avaient, au regard du développement du monde, quand on prend l'OCDE, quand on prend tous les organismes internationaux qui ont envoyé des voyants sur le développement, les transitions écologiques, numériques et tout, si ces universitaires avaient une attention à la recherche, ils auraient préparé tout ce que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que la communauté scientifique, la communauté universitaire ne s'est pas préparée à toutes ces innovations. Il faut donc qu'il y ait une forme de réflexion dans le secteur, dans l'industrie, dans les communautés universitaires, tout le monde un peu toi, mais pour dire comment on s'adapte à ces innovations et comment l'université doit venir appuyer les décisions qui se prennent. Et du coup, être capable de mettre cela sur la table des décideurs politiques d'une part, mais aussi des acteurs de l'économie, des patronats. Il faut aujourd'hui, vous avez dans les patrons qui cherchent des appuis budgétaires et tout, et leur marché c'est quoi, leur produit c'est quoi, et c'est ce que les universitaires leur mettent comme innovation sur la table. Donc il faut qu'à un moment qu'il y ait des partenariats avec le patronat, avec les industriels qui sont aujourd'hui producteurs de richesses dans différents pays, pouvoir développer des centres de recherche afin d'apporter des solutions à nos pays et aussi à ces besoins que nous avons dans certains pays. Donc, je vous mettais en évidence ce triptyque politique, recherche et secteur socio-économique. Il faut que, comme on sait, trois secteurs travaillent ensemble, notamment pour faire avancer, notamment l'IA générative au sein des pays. On voit bien que
comment pour obtenir des financements. Donc, des financements donc viendront peut-être du secteur donc socio-économique, à la fois évidemment des politiques, mais il faut qu'évidemment ces trois s'alignent pour faire notamment donc avancer l'IA. Alors justement, donc, je me tourne vers Eric. Oui, pardon, excusez-moi. Est-ce que je peux dire qui veut? Oui, non, mais bien sûr, allez-y. J'aimerais faire un peu l'avocat du diable à propos de ce que vous avez dit. Vous avez dit entre autres, et je suis en général d'accord, que financer les universitaires, il faut savoir, il faut que leur que eux expliquent où ils vont aller. Bon, en général, c'est vrai. Mais ça, malheureusement, c'est un problème qui existe dans les pays comme l'Allemagne, qui n'est pas riche, mais pas des pauvres. Les pays qui sont très riches, comme les États-Unis, se permettent d'investir dans beaucoup de choses. Même si ces choses n'arrivent pas immédiatement à quelque chose, à un résultat. Alors nous, nous sommes des pays pauvres. Moi, je parle de l'Allemagne, je ne parle pas des autres pays. Il faut très bien savoir, prévoir, être très éclairé pour investir là où on peut avoir un retour immédiat ou enfin pas immédiat, mais pas à long terme. États-Unis, par exemple, et ils sont peuvent s'investir même dans cette idée des idées folles, que pour le moment ne donnent rien. Et en ce moment-là, nous sommes dans, disons, ce conflit, et bien sûr, on doit vivre et faire avec. Si je peux vous permettre, je suis totalement d'accord avec vous, et bien on se rejoint en maison. Vous dites pays Roumanie, pays pauvre, qu'est-ce qu'on dira des nôtres? Mais la vraie question, c'est ça. C'est il faut arriver à convaincre les politiques que même s'il n'y a pas un retour sur investissement immédiat, que ça va permettre tout ou tard à résoudre un problème. Et aujourd'hui, je pense que le cluster, ce que souvent j'appelle des clusters, que l'industriel qui est opérationnel et qui crée de la richesse, qui peut lui faire des marges économiques, l'université qui sait poser les problèmes parce que c'est le centre du savoir, et le décideur doivent s'aligner, comme on venait de résumer, pour dire, bon, OK, maintenant, comment on finance? Il faut sortir l'université des schémas anciens. Il faut lui donner une nouvelle forme de réflexion sur ces problématiques. Et c'est à l'université, je parle du monde du savoir, des industriels, des professeurs, des chercheurs. Et sinon, si on met de la recherche pour trouver des solutions immédiates à revenus immédiats, après ça sert de parler de recherche. C'est pas, je pense, la vocation première de la recherche. La vocation première de la recherche, c'est d'aboutir à des solutions, des produits, des choses qui vont permettre de rentrer dans une nouvelle, dans des nouveaux, pour des nouveaux modes de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on parle de la recherche. On ne sait pas où on va aller, on peut échouer, on peut réussir, et vice-versa. Sinon, on fait du business, on fait du commerce. Et donc, on est très aligné là-dessus. Et moi, j'invite les universitaires à changer la façon de voir les choses pour avoir ce financement et inviter les industriels à rentrer dans la bourse. Et c'est ce que font les Américains. Après, il faut faire aussi la part de choses. Ils vont financer pour 10. Il y aura deux projets qui vont réussir, qui vont apporter de l'innovation. Mais un, ils vont être dominants dans le monde. Et deux, les deux qui arrivent ont la capacité de financer l'ensemble de l'économie. Et c'est ça aussi le mécanisme. Effectivement, donc l'idée est effectivement d'aligner notamment les objectifs des politiques publiques avec la recherche pour justement donc, obtenir des financements. Parce qu'on sait qu'en Afrique, par exemple, dans beaucoup de pays, la recherche représente moins d'un pour cent du PIB. Donc, comment justement, et ça, je me retourne vers Eric, comment justement l'IA générative peut aider justement à aligner les politiques, les objectifs de la recherche avec les politiques publiques? Est-ce que comment justement cet écosystème va pouvoir justement renforcer le financement de la recherche, justement, parce que si les politiques publiques s'y intéressent? Merci. L'intelligence artificielle peut jouer justement pour l'important de la recherche avec des objectifs éthiques. Ils font justement des outils et des méthodes et analyser, synthétiser des parties. C'est un peu l'important.
Alors, je vais donner ici quelques exemples pour voir le monde IAPCO. Et je vais voir mon IAPCO. J'ai assez d'aide. Premièrement, l'analyse des besoins de l'influence politique. Très important. Alors, l'utilisation, par exemple, du traitement de langage pour analyser le discours politique, les documents stratégiques, les débats des parlementaires, publication officielle, fin de l'époque, de comprendre les priorités et les objectifs des décideurs politiques. C'est très important. Également, le suivi des tendances émergentes et les discussions, par exemple, dans les réseaux sociaux, peut identifier des sujets d'actualité et les préoccupations des citoyens. Le deuxième point, c'est l'identification des lacunes de recherche. Ici, il y a l'utilisation de l'IA pour analyser les bases de littérature scientifique et identifier les domaines sous-développés ou les lacunes de recherche dans notre système des priorités politiques. Il y a aussi la création des cartes de sens, visualiser des relations entre différentes études et identifier les zones nécessitant plus davantage de recherche scientifique. Il y a, je pense qu'on a parlé tout à l'heure de la priorisation et de la planification de la recherche. Alors, il s'agit ici d'une utilisation d'algorithmes pour prioriser les projets de recherche en fonction de leur alignement avec les objectifs politiques, leur impact potentiel et les ressources disponibles. Il faut également développer des modèles prédictifs pour estimer l'impact potentiel de la priorité de recherche. Aider et aider à planifier les investissements avant de chercher. Donc, quatrième point, c'est la collaboration, faciliter la collaboration et la communication. Il faut créer des plateformes collaboratives alimentées par l'IA, faciliter la communication et la collaboration entre les chercheurs, les décideurs politiques et les autres parties prenantes également de l'écosystème. Peut utiliser des systèmes de recommandation, connecter les chercheurs au projet, au financement et en collaboration les plus pertinentes. Et l'autre point, c'est surtout le suivi et l'évaluation des impacts, ce qui est important. Il faut utiliser l'IA pour surveiller et analyser les données réelles afin d'évaluer l'impact de recherche en cours sur les objectifs politiques. Également développer des outils d'auto-évaluation pour mesurer l'efficacité des politiques publiques et des programmes de recherche connaissant des retours d'information continue pour ajuster justement les priorités politiques. Et après, là, c'est la prévision et l'anticipation qui est présente. Et le dernier point, si vous pouvez utiliser les techniques de machine learning pour prédire les futures tendances et les besoins sur les évolutions politiques, économiques et sociales. Également, le développement des scénarios prospectifs pour anticiper les défis futurs et relever les priorités de recherche en conséquence. Alors, je vais ici parler d'un point assez important concernant la collaboration entre les pays africains et les pays qui ont une grande longueur d'avance, par exemple, l'intelligence artificielle. Oui, le problème d'infrastructure, surtout aujourd'hui, a un grand froid au niveau de l'Afrique. Les problèmes d'infrastructure, qui prend le cas par exemple des supercalculateurs, des pays, je ne sais pas si vous dites des pays riches ou des pays pauvres. Le Sénégal vient de se doter d'un supercalculateur. Voilà, ils sont combien en Afrique qui se sont dotés de supercalculateurs? Ils sont peut-être 3 ou 4 seulement. Et des pays comme les deux qui avons des initiatives beaucoup en matière d'intelligence artificielle, si nous n'avons pas des calculateurs, ça pose aussi un problème. Donc, ce qui fait qu'il faut mettre en place une belle collaboration avec d'autres pays. Ces pays qui ont des supercalculateurs, par exemple, sur les infrastructures Shell, quel est le modèle que nous pouvons mettre en place? J'en suis à ce que ces calculateurs peuvent servir aussi à d'autres pays enfin, de recherche également. Dans le cas du traitement
Donc, c'est des modèles que nous pouvons mettre en place et je pense qu'ici, c'est le rôle que les centres de recherche doivent jouer également, se mettre en réseau pour faciliter également cette collaboration-là. Donc, non seulement le point de vue de la recherche, mais aussi regarder comment collaborer en termes d'infrastructures. L'infrastructure. Parce que nous, par exemple, le carrière, sont dont j'ai l'honneur de diriger, nous n'avons pas un calculateur. Mais entre l'instant où nous allons acquérir un calculateur, la technologie est tellement en train d'évoluer, ça va tellement trop vite. Comment s'aligner avec les autres pays qui ont déjà aussi le calculateur? Et il faut qu'on regarde un peu le point de vue stratégique. Comment bâtir un peu ensemble cette stratégie sur partenariat avec d'autres pays pour partager par exemple les infrastructures. Merci beaucoup. Alors là, merci pour ce point de collaboration et je vais finir notamment sur le dernier point au niveau de la transparence, la confiance, l'éthique. Vous l'avez dit, hein, Alina, dans votre présentation. Vous avez dit que l'IA doit adopter de manière responsable et efficace, c'est vrai qu'on doit adopter ça, dans le domaine des politiques publiques, il est crucial de s'assurer la transparence. Vous avez dit aussi, notamment, que le développement de l'IA et l'éthique de l'IA donc, est crucial pour garantir une utilisation responsable et de ces outils puissants. Alors là, je vais passer la parole à Marlène, donc j'ai deux questions pour elle. Alors je vais recouper puisqu'on a pris du retard au début, donc je vais essayer de condenser, mais vous avez dit notamment pour venir sur ce point, notamment donc la première question qui était comment garantir la transparence des algorithmes en intelligence générative, et quelles que soient acceptées notamment par les décideurs. Et puis, ma dernière question était quelles sont les principales considérations éthiques liées à l'utilisation de l'IA générative dans les prises de décision politique et comment les régulations actuelles doivent-elles évoluer pour encadrer l'utilisation de l'IA générative. Je vous en prie. Bonjour, merci. Merci beaucoup, Monsieur Lancelot, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant cette audience. Je viens de l'Université centrale de la ville à Cuba. Permettez-moi de raconter quelques expériences. L'année 2020 était en marche. Nous étions en pleine pandémie de COVID. Dans mon pays, il y avait une grande pénurie de tests pour diagnostiquer les maladies rapidement. De nombreuses personnes n'ont pas eu accès à diagnostic et certains ont décidé sans rien savoir. Dans cette situation difficile, des politiciens de ma province ont contacté l'université pour demander les deux scientifiques. Ils nous ont demandé ce que nous pouvons faire pour aider la communauté. En examinant la littérature scientifique, nous avons constaté que des centaines d'algorithmes de l'IA destinés au diagnostic et au pronostic étaient publiés. Nous les avons testés et face à les données externes, ils ont tous eu de mauvais résultats, car il avait des biais de formation et nous avons partagé cette préoccupation avec la communauté scientifique dans plusieurs publications. Non, on peut condamner un politique avec un algorithme qui n'est pas correct. Nous nous sommes rapidement mis au travail et c'est la qui, en un temps plus court, nous avons formé un système doté d'intelligence artificielle pour diagnostic de manière assuntive le COVID à partir de la radiographie pulmonaire. Nous travaillons pour éliminer les préjugés. Les politiciens ont décidé de l'utiliser immédiatement dans les diagnostics cliniques et nous avons contribué à sauver nombre de vies. En effet, avec l'aide de l'Agence de la Francophonie, nous avons acquis un système numérique d'acquisition de radiographie afin de pouvoir les traiter très rapidement. Je voudrais profiter une fois de plus de cet espace pour ratifier notre gratitude pour ce geste. Nous avons aidé des milliards de personnes jusqu'à la fin de la pandémie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la crise a effectivement réuni la politique et les sciences pour aider la communauté. Le dialogue est donc possible.
Nous avons ensuite mis en place deux autres systèmes de détection précoce du cancer du sein et poumon avec résultats prometteurs. Mais nous n'avons pas pu les certifier et donc les généraliser pendant tout ce temps, faute d'une communication efficace avec les décideurs. Il s'agit d'un problème de manque de personnel formé pour évaluer les systèmes externes. Dans une telle évaluation, nous ne pouvons pas convaincre les décideurs. En outre, pour garantir que ces systèmes soient aujourd'hui plus communs, il était l'élément de données fiables pour pouvoir bien entraîner sans sous-ajustement. Et la meilleure aide dans ce domaine est l'AI générative. Les résultats sont encore loin de se souhaiter. Dans la réunion scientifique auxquelles ont participé les sociétés de vente de logiciels et de clients médicaux, les sociétés font preuve d'un excès d'enthousiasme en affirmant que leur algorithme classe correctement les 100% des cas, tandis que les médecins apprécient que les résultats se situent entre 80 et 90%. Critère avec ce dont nous sommes d'accord. Les déséquilibres de classe persistent pour les formations correctes du système. Cependant, pour certifier les systèmes afin de qu'ils puissent être utilisés partout, nous devons d'abord former du personnel capable d'accomplir cette tâche, ce qui implique d'abord de convaincre les politiciens dotés de capacités de décision. Quand on récite, exprimons maintenant réponse aux questions sur la base de ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. À la question « Comment assurer la transparence des algorithmes génératifs pour que ce soit secteur par les décideurs ?» je réponds. Il doit y avoir une honnêteté scientifique. La publication de qualité doit être réalisée avec un arbitrage international en double avec. Chaque algorithme doit être testé avec des données externes, testant son niveau de généralisation. Un algorithme bien testé aura une utilité sociale immédiate pour le bien de tous. Il pourra être mieux accepté par les décideurs. Ils feront confiance à la science établie. À la question, quelles sont les principales considérations liées à l'utilisation de l'AI générative dans la prise de décision politique, je réponds. Pensant de réaliser des algorithmes bons et bien entraînés, des programmes inadéquats mettent en danger la dignité et la vie humaine, la liberté d'expression, les droits à l'emploi et la santé. Le manque de transparence, c'est grave. Les décisions de l'IA ne sont pas toujours intelligibles pour les humains. Il doit y avoir une surveillance humaine et gouvernance adaptative. L'IA n'est pas neutre. Les décisions basées sur l'IA sont susceptibles de compter d'inexactitudes de résultats discriminatoires et de biais. La protection des données doit être garantie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie notamment pour cette expérience effectivement qui montre que la qualité des données, la confiance notamment donc, des données générées par des HFA est importante. Donc, eh bien, je vous remercie notamment pour cette table. On terminera là-dessus. Mais avant de lever notamment ce panel, j'aimerais vous entendre à une minute chacun maximum. Comme ça me permettra de parler à vous et de basculer notamment d'une recommandation concrète que vous pourriez notamment vous présenter, nous donner, pour que le REFIA et l'AUF puissent s'emparer, mettre en œuvre justement, qui permettrait Est-ce que je peux poser juste une petite question avant? Ah oui, bien sûr, allez-y. Moi, j'ai une question à vous poser. Ah, bon, il y a aussi une question. Bon, alors, hein. Évidemment, je reçois parce que là, il n'y a plus beaucoup de temps. Oui, voilà. D'accord. Dans sa présentation, il avait dit que même s'il y a trouvé des solutions, il faut que ça soit un outil et non des substituts au jugement bleu. Et il est venu à débat. Ah oui, j'avais ce point-là aussi, effectivement. Donc, je voudrais avoir votre avis. Merci pour la question. Je pense qu'il y a deux pôles. D'un côté,
il y a des décideurs politiques qui sont vraiment très sceptiques. Cela veut dire qu'ils n'ont pas confiance des résultats de l'intelligence artificielle. Et en ce moment-là, je dis intelligence artificielle puisqu'il y a aussi d'autres formes que l'IAG. Ce qui, d'un côté, est bien, parce qu'il se pose des questions, pourquoi le résultat est tel que tel. Ils ont besoin de plus d'informations. On a déjà discuté. De notre côté, c'est mauvais s'ils ne sont pas ouverts au changement, à des choses qui peuvent se passer d'une autre manière. Par contre, moi, j'ai peur que, après avoir utilisé un instrument d'intelligence artificielle générative, la personne a une sorte de révélation. C'est fantastique. Voilà quelles sont les capacités. Alors, j'ai peur que dans un certain contexte, les humains, par superficialité, auront le besoin d'utiliser la réponse de l'IA générative sans se poser beaucoup de questions, sans se demander si c'est juste ou pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a ces deux extrêmes. D'une partie, il y a une réticence, et c'est bien et mal en même temps. Et d'une autre, ça peut être pris avec beaucoup trop de facilité, avec ou sans se poser des questions si la réponse est correcte ou pas. C'est pour ça que j'ai dit à débat. Oui, j'avais une question à la présentation ou l'expérience du là. Vous avez parlé de problèmes de communication qui a plus ou moins fait pas faire aboutir le projet. Comment vous avez réglé ce problème et est-ce qu'aujourd'hui vous avez eu les moyens de pouvoir communiquer ce message avec les décideurs? Je pense que nous devons démontrer la vérité avec les sens. Convaincre les politiciens et les pauvres et leur tomber la décision. Bon, c'était alors question. On a parlé de données et puis de plaisir en fait de parler de données. Et je vois madame a essayé de dire que c'est un truc que j'ai l'impression de penser à développer. Ça a pris sur peu de données. Autour de données, peu d'études. Madame Bella, qu'est-ce que vous pensez de, par exemple, accentuer l'idée de générer des données synthétiques, enfin, des données qui n'ont pas de données synthétiques, qui n'ont pas des informations personnelles, qui se basent sur le. Voilà, qui se basent pas sur des données réelles. Je pense que générer des données synthétiques, c'est une direction vraiment très important, puisque ajouter des données synthétiques ou des données déjà existantes peut contribuer à réduire le biais des données. Mais bien sûr, il faut contrôler les techniques par lesquelles on génère des données scientifiques. Et quand j'ai parlé de l'apprentissage automatique avec peu de données étiquetées, je fais référence surtout à beaucoup de techniques d'apprentissage auto-supervisé, self-supervised learning en anglais. Et je pense que nous, les universitaires, nous devons investir plus dans ces techniques. Dans ce point-là, on pourra avoir un avantage, enfin, être au moins sur le même pied que les grandes compagnies qui ont rassemblé des milliers et milliers de données. Si on arrive à avoir des algorithmes efficaces qui utilisent peu de données, on peut les concurrer, sinon pas. Ce qui n'est pas valable du tout, parce que pour le moment, les self-supervised learning algorithmes, ils ne sont pas encore à une performance vraiment importante. Mais ce sont ça les provocations de ma recherche. Juste une question pour le professeur Jean-Marie, là, à l'intérêt d'enseigner au Frémant,
changer de mentalité carrément parce qu'il y a bien un gens qui devraient nous aider à produire nos enfants. Mais maintenant que ça va peut-être poser problème à la corps et là, ils ont vraiment, ils sont pas exactement les mêmes. C'est la façon dont c'est la paix considérée au niveau de l'Europe. Quand on voit nos pays qui n'ont vraiment pas compte de l'aspect recherche, elle va savoir en compte. C'était des dépenses de l'argent. Pour ça, vous pensez pas que ça va nous être compte? Effectivement, le problème est là. On n'a pas les mêmes moyens pour pouvoir assumer cette révolution de l'IAG. Chacun devrait y aller à sa vitesse. Parce qu'on ne peut pas non plus ne pas suivre. Parce que celui qui se déconnecte sera davantage dans le brouillard. La machine, elle va continuer à aller. Comment est-ce que nous pouvons nous agripper pour ne pas rester en retard d'une part et pour essayer de suivre ceux qui sont devant nous d'autre part? Je crois qu'il y a une volonté politique qui doit se dégager au niveau de nos États, mais également au niveau du management de nos universités. Quand l'université a quand même la possibilité de pouvoir, dans son microcosme, gérer un certain nombre d'initiatives, notamment celle de pouvoir organiser les choses en fonction d'une adaptabilité à la nouveauté. Évidemment, la nouveauté pose toujours problème parce que on ne sait pas ce que ça va donner. Ça se bat. De deux, on se dit, nous risquons d'investir dans le vide parce que surtout que les universités chez nous n'ont pas beaucoup de moyens. Mais je crois qu'il y a des risques par rapport à cette révolution. En fait, il s'agit de quand les médias, je suis un homme de médias, j'en parle un peu d'expérience, quand les médias commençaient à se déployer, presse écrite, la radio, la télévision, au début c'était des supports qui ont énormément fasciné, n'est-ce pas? Mais après, on a senti qu'il fallait absolument une initiation aux médias pour comprendre comment ils fonctionnent et quel est l'apport de ces médias au sein de la communauté, dans la société, etc. Petit à petit, ça s'est généralisé et on a trouvé ça normal. Quand Internet est arrivé, c'était la même réaction. Il y a des gens qui essayaient, qui estimaient que cette pauvreté ne peut pas venir perturber les habitudes ancrées et qu'elle appartenait à une certaine classe de chercheurs, etc. Mais finalement, tout le monde l'a adopté parce que les avantages amenés étaient beaucoup plus importants que les craintes qui avaient été exprimées en son temps. Aujourd'hui, nous vivons presque la même chose avec l'IA. Surtout nous qui avons la lourde charge justement d'anticiper, vous en avez parlé tout à l'heure, pour que nous puissions anticiper, mais pour anticiper, pour que nous puissions maîtriser ce qui existe. Aujourd'hui, l'IA est là, l'IAG est là, la révolution amenée par l'IA est très très rapide. C'est chaque jour que nous avons des développements qui vont dans le sens de l'amélioration. Si nous ne nous accrochons pas, si nous ne nous agrippons pas, est-ce que nous ne risquons pas de perdre les leviers de la lecture du monde? Donc ça, c'est très important qu'il y ait des sacrifices que nous puissions consentir au niveau de nos universités pour que le minimum soit assuré et pour que je suis en faire bénéficier à nos étudiants parce que si eux sont prendre la relève pour continuer la gestion de cette évolution provoquée par l'IA. Parce que si nous ne faisons pas cela, si nous ne faisons pas cela, l'enseignement lui-même va être complètement dépassé. Les impératifs, il a dit qu'il y a, c'est très important.
Et à la fin, il a dit, il y a pour entraîner une injustice entre le pays et les Je dépend ce qu'on entend par injustice. Tout dépend de l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par injustice? Oui, mais. C'est pourquoi moi j'estime qu'il faut que nous puissions encadrer justement l'IA par un dispositif éthique conséquent. Allez, l'éthique doit absolument cheminer avec l'environnement de. Autrement, justement, les conséquences peuvent être imprévisibles. Ce qui est sûr, c'est que tout sera imprévisible. Ce qui, où il a totalement raison, c'est qualifier maintenant les adultes. C'est quoi l'injustice? Parce que les cultures aussi apportent l'injustice dans nos pays issus des pays. On dit l'IA, le problème, c'est que l'IA, on lui donne tous les qualificatifs. C'est la mauvaise technologie qui va appauvrir les gens, va faire perdre des emplois, il va tout transformer. Mais la vraie question, c'est que l'IA, on doit apprendre à être surpris avec l'IA, surtout générative. C'est ça la vraie question. Donc, quand on dit qu'il va créer des injustices, c'est quoi l'injustice? Personne n'est capable de dire c'est quelle injustice que l'IA va apporter. Et c'est le côté vraiment prédiction et non-contrôle du résultat au bout qui n'est pas que personne ne peut aujourd'hui prédire. Et pour terminer, parce que je prends la parole pour le dernier mot et recommandation. Oui, une recommandation. Je tiens vraiment à ce que le monde universitaire s'associe avec les industriels et les politiques pour pouvoir trouver ensemble des solutions, au moins des pistes de solutions pour pouvoir bénéficier de toutes ces technologies et l'IA générative en partie. Et le cluster est nécessaire. Et d'arrêter les aides, d'arrêter les prêts, passer vraiment à des partenaires qui créent de la valeur et qui soutiennent l'université. Très bien, merci. Il y avait une dernière question. D'accord, ok. Alors, même chose, donc une recommandation. Ouais, je voudrais ajouter sur ce qu'il a dit parce que j'ai la même recommandation. Ah, la même recommandation. Avec l'accompagnement de l'AUF et du REF. Ah, forcément, oui. Avec l'accompagnement. Entre autres, c'est d'autres accompagnateurs qui peuvent poser. Oui. Ma recommandation, former le personnel aux nouvelles technologies. Et pour moi, c'est une tâche de premier ordre. Former le personnel aux nouvelles technologies. Ah, une petite réponse à l'injustice. Oui. Moi, je pense que l'intelligence artificielle a le potentiel de soit d'accroître la richesse des pays ou d'accentuer la pauvreté si elle n'est pas utilisée comme il faut et si les décideurs politiques ne deviennent pas conscients de ce qu'ils doivent faire pour exploiter le potentiel de l'intelligence. De ce point de vue, je vois l'injustice qui peut s'accroître. Et comme mot de fin, moi je vois aussi, comme vous avez dit, coopération entre universités de même pays, entre universités de plusieurs pays, échange des résultats de recherche, mettre en commun les savoirs. Et je pense que la science ouverte et les dates ouvertes sont pour nous une direction qu'on doit tous embrasser. Merci, merci beaucoup. Votre dernière recommandation. Permettez-moi, avant de chuter rapidement à la recommandation, de parler de la justice. Je pense que nous, au niveau de l'Afrique, on sent véritablement la justice, simplement parce que nous ne sommes pas alignés. On parle de la donnée. Le grand problème de l'Afrique, c'est la donnée. Et je pense que si toute l'Afrique avait des données bien structurées comme les pays européens, je ne pense pas qu'on devait vraiment sentir cette injustice-là. Mais nous sentons cette injustice simplement parce que de l'autre côté, les données sont bien structurées et donc l'IA fonctionne normalement. De l'autre côté, les données ne sont pas structurées et on a l'impression que l'Afrique est délaissée un peu par rapport à d'autres États. Donc je pense que l'injustice se sent peut-être à ce niveau-là. Alors, pour juger rapidement à
avec l'innovation. Moi, je parlerai du point de vue de la sécurité des données, qui est un défi majeur pour le développement de nos sociétés. En mettant en œuvre des mesures robustes de sécurité, en renforçant les compétences des infrastructures, en harmonisant les régulations et en sensibilisant les parties prenantes, à ce moment-là, en termes de recommandations, nous devons intensifier la recherche et le développement grâce au corps groupe GFIA et le Bayer pour assurer une utilisation sécurisée et éthique de l'intelligence artificielle, car elle est essentielle pour soutenir la croissance technologique et économique en respectant les droits des êtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et donc, ce sera le. C'est 11h. Alors, peut-être prendre une petite minute. Monsieur Potsy? Oui. Très bien. Une petite minute. Parfait. Donc, je vais féliciter déjà tout le panel, particulièrement Maïna Pérez pour sa présentation. Et je pense qu'on trouvera un canal pour ensemble collaborer, parce que je fais également dans l'e-santé. Bon, comme recommandation, moi, je suggérerais, à l'instar de l'UNESCO, que l'AUF inscrit dans ses les activités le rapport du réseau RIFIA qui soit systématiquement publié comme le fait l'UNESCO dans ses différents rapports d'activité. Donc la publication des rapports, des rencontres RIFIA comme ce que nous avons là, ça permettrait à la fois de vulgariser déjà les différentes contributions que nous avons faites ici et partant et du réseau de l'AUF qui a un contact avec les décideurs politiques, avec les institutions universitaires. Ce rapport permettrait par exemple de nouer des échanges entre les différents acteurs en présence. Merci. Merci, merci beaucoup. Et bien, vous avez eu le mot de la fin. Parfait. Nous avons toutes les recommandations qui font. Ne vous inquiétez pas, donc, l'argent d'activité, il y aura notamment un rapport, une publication, notamment de tout ce qui a été dit dans les panels. Donc, je vous remercie beaucoup. Et donc, ben, n'est-ce pas, je vais profiter de la pause avant l'autre panel. Merci. Merci. En tout cas, merci. Hein. Merci, Eric. Merci.
Ça va être une Je pense que c'est clair, oui. À Dina Mandora, UBB. Merci.
Mẹ ăn lửa.